Yo les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler du chapitre 250 de Jujutsu Kaisen. On est à la gare de je ne sais quelle ville, très proche d'Hakone. Je me dirige bien sûr vers la magnifique ville d'Osaka. Mais on va aujourd'hui parler du chapitre parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Je vais vous expliquer pourquoi j'avais raison dans mes coups de gueule de la semaine dernière concernant le pouvoir de Yuji et de Yuta par rapport au pouvoir de Sukuna et pourquoi ils sont capables un petit peu de lui tenir tête, chose qui était à mes yeux complètement illogique et qui, je vais vous l'expliquer aujourd'hui, fait complètement partie de la stratégie de l'auteur de JJ Akutami. On va également parler de l'extension de territoire de Yuta et bien sûr du nouveau pouvoir de Yuji. Si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, bien sûr, à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications et bien sûr à me donner ton avis en commentaire, surtout concernant Jujutsu Kaisen. Vous avez pas mal d'infos à me donner à chaque fois, vous êtes très fort pour ça. Et grâce à vous, je progresse. Donc même si on n'est pas d'accord, même si des fois je vous vanne, je suis vraiment très content de pouvoir échanger avec la communauté. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis à commentaire et surtout à me corriger si nécessaire. Avant de parler du chapitre, on va parler un petit peu de structure d'œuvre de l'auteur. Quand je lis Jujutsu Kaisen, je prends du recul. Je suis l'histoire que je trouve particulièrement intéressante. Mais il n'y a pas que ça. J'essaye aussi de comprendre comment est-ce que l'auteur structure son récit, comment est-ce qu'il le rend cohérent et comment est-ce qu'il le rend intéressant finalement pour toutes les personnes hein, qui vont lire l'œuvre. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai beaucoup critiqué le power-up du personnage de Yuji et du personnage de Yuta face à Sukuna, qui est la plus grande menace de Jujutsu Kaisen et qui a été terriblement menaçant pour l'un des personnages les plus puissants. Je parle bien sûr de Satoru Gojo. Et je me dis, à juste titre, et en prenant en référence le combat titanesque entre Gojo et Sukuna qui avait le corps de Megumi et pas encore sa forme parfaite, je me dis qu'il est invraisemblable, inconcevable que Yuji et Yuta soient capables de lui tenir tête. Et face à ça, j'ai eu beaucoup de critiques en message et je vous remercie pour cela. Non, Yuta peut tenir tête à Sukuna car 1. C'est un génie et c'est dit depuis le début du manga. 2. Il a partagé le corps de Sukuna, donc il a partagé son énergie spirituelle. 3. Il a très certainement, grâce au livre que lui a donné son frère Shoji, mangé les autres embryons. 4. Il est plus ou moins de la lignée de Kenjaku, puisque sa mère a été possédée par Kenjaku. Et donc pour vous, c'était normal, pour ces 4 raisons, des fois pas toutes, hein, des fois une ou deux raisons, des fois des raisons différentes, mais en tout cas pour vous, c'était normal que Yuji tienne tête à Sukuna. Et pour moi, ça ne l'était pas. Et dans ce sens, quel est le but du chapitre d'aujourd'hui? Si tu vois le chapitre d'aujourd'hui, il est centré sur l'extension de territoire de Yuta et ceux qui vont lire l'œuvre au premier degré vont dire « Ouais, c'est génial, on voit la puissance de Yuta et je suis d'accord avec ça, on va en parler dans la suite de la vidéo. » Mais ce qui est le plus important dans le texte d'aujourd'hui, c'est le point de vue de Sukuna. Et il n'a de cesse, durant tout le chapitre, de nous expliquer pourquoi il est si faible et de se poser la question du pourquoi Yuji et Yuta sont si forts. Donc l'auteur, à travers ça, veut nous expliquer pourquoi Yuji et Yuta peuvent tenir tête à Sukuna. Mais comme vous, vous avez déjà toutes les explications, puisque selon moi, vous lisez le manga et vous acquiescez chacune des choses qui sont dites et qui sont faites, vous, vous ne posez pas la question « Comment est-ce que Yuji peut tenir tête à Sukuna ?» Vous n'avez pas cette interrogation. Donc quand vous lisez le chapitre d'aujourd'hui, toutes ces explications ne vous servent à rien. Vous n'êtes pas concerné parce que vous aviez déjà les réponses. Parce que selon vous, Yuji avait déjà le pouvoir, quelles que soient les explications, de tenir tête à Sukuna. Du coup, toutes les précisions du manga, toute la technicité de l'énergie occulte, du fait que tu puisses tenir tête, des sorts imparables, tout ça, merci beaucoup. Tout ça, c'est complètement hors de propos pour vous puisque vous avez déjà les réponses. Donc comment est-ce que vous pouvez savourer un chapitre comme celui d'aujourd'hui? Comment est-ce que vous pouvez savourer la technicité de l'explication de Sukuna? Il nous explique qu'à cause de son combat contre Satoru Gojo, il est incapable d'utiliser son extension de territoire. Que à cause de son combat contre Satoru Gojo, son sort d'inversion est ralenti. Son sort d'inversion est ralenti. Je vous l'ai dit que le sort d'inversion, c'est peut-être la crème de la crème des pouvoirs d'un exorciste. C'est quand il a réussi à sublimer
un petit peu le raffinage de son énergie occulte. Et vous, le fait est que Iguruma pouvait l'utiliser. Le fait est que Yuji peut faire de l'énergie inversée et se soigner. Ça ne vous posait aucun problème. Alors que depuis le début de l'œuvre, on dit que c'est quelque chose qui est réservé au génie. Satoru Gojo, pour l'obtenir, a dû presque mourir contre le père de Megumi. Mais pour vous, c'était normal. Et là, Sukuna, lui-même, l'exorciste le plus puissant depuis 1000 ans, à cause d'un combat, il a du mal à développer son énergie occulte inversée. Et lui-même se pose des questions. Il leur dit directement à Yuta et à Yuji, mais putain, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant un mois? Comme moi, en fait, la question que je me pose, qu'est-ce qui s'est putain de passé pendant un mois? Et toutes vos explications font que vous ne vous posez pas cette question. Mais alors, comment est-ce que vous savourez là un petit peu la réponse des deux? Yuji qui dit c'est qu'on s'est entraîné, Yuta il dit on a triché. C'est ça pour moi le plus intéressant du chapitre. C'est pas l'extension du territoire, c'est pas la bagarre. Oui, Yuji et Yuja sont les gentils, ils vont gagner contre le méchant. Vous passez à côté de toute la technicité, de toute la cohérence construite par l'auteur. Vous vous posez pas de questions, vous lisez, et vous, bah oui, bah il est plus fort. Ah bah Yuji, non mais c'est un génie, ça a été dit chapitre 1. Ah bah Igurama, c'est un génie, ça a été dit chapitre 2. Alors pour vous, l'auteur, il prend n'importe quel personnage, il dit tiens, lui c'est un génie. Alors ok, si c'est un génie, dans ce cas-là, on se pose pas de questions, tout est bien qui finit bien, et tout chiquenti. C'est ça qui est dommage dans votre lecture de Jujutsu Kaisen. Alors, à tort, vous avez peut-être raison. Peut-être que Yuji, finalement, il a partagé le corps de Sukuna, donc il monte en puissance. Peut-être que Yuji, finalement, il a mangé les 9 embryons, même si je pense que c'est pas vrai, il est monté en puissance. C'est pas une question d'avoir tort ou raison. C'est une question que, en balayant d'un revers de main, le fait est que Yuji ne puisse pas normalement tenir tête à Sukuna, vous passez à côté de tout ce que l'auteur va essayer de nous trouver comme cohérence pour rendre ce combat légitime. Il va se torturer l'esprit, et c'est ce qui fait que Jujutsu Kaisen est un excellent manga, et voir le manga, et je vais vous le dire, peut-être mon manga préféré en 2023-2024, c'est que l'auteur se triture l'esprit pour faire en sorte que les combats restent cohérents, sans power-up et de transformation, style Super Saiyan, mode Sennin, Gear 5, etc. Et je critique pas ces mangas shonen qui font de la transformation la réponse à toutes les différences de niveau. Je ne critique pas. Mais là, dans Jujutsu Kaisen, l'auteur, il se triture les méninges pour qu'on n'ait pas ce genre de transformation et de facilité scénaristique. Et vous, vous allez chercher des réponses liées à des, très certainement des youtubeurs qui vous ont dit « Ah, théorie, Yuji a mangé les 9 embryons. Ah, théorie, Yuji était dans le même corps que Sukuna, ou Sukuna dans le corps de Yuji, donc il a été baigné par son énergie occulte. » Oui, en tant que théorie, c'est pas con. Oui, c'est intéressant. Mais l'auteur va aller beaucoup plus loin que ça, et ça va nous être révélé. Sukuna ne se contente pas. Et Sukuna, déjà, dans son discours, nous explique les deux choses logiques qui font que ce combat puisse avoir lieu. Parce que ce combat ait lieu parce qu'il y a un équilibre. Sukuna et l'association Yuji Yuta, ça fait plusieurs chapitres qui s'affrontent. Sukuna ne les a pas one-shot, donc il y a un équilibre. Pour avoir combat, il faut qu'il y ait plus ou moins des gens du même niveau. Et donc, il y a deux aspects qui font cela. D'une part, lui est downfall, lui a perdu de sa superbe, de par son combat avec Satoru Gojo et les séquelles qu'il a, de par l'utilisation du panier du vide qui ne lui permet pas d'utiliser sa technique capable de one-shot. En plus, il y a quelque chose que j'ai dit, je vous ai dit, il a one-shot Gojo, il a one-shot parce qu'il l'a battu finalement en un coup. Quand il a réussi à faire sa dissection du vide, il l'a battu en un coup. Et je vous l'ai dit, et donc là, il ne peut pas le faire parce qu'il utilise le panier du vide pour éviter d'avoir le sort imparable de l'extension de territoire de Yuji. Donc même ça, je vous l'ai dit. Et Sukuna là nous l'explique. Parce que normalement, ces deux personnes ne devraient pas tenir contre lui. C'est le propos de ce chapitre. Et deuxièmement, lui a diminué. Et Yuji et Yuta ont power up. Que tu ne le veuilles le comprendre ou pas, c'est dit de la bouche de Sukuna pour que... Et en fait, c'est l'auteur qui nous explique à nous, lecteurs, cette cohérence-là. Et donc,
tout ce qui est dit, l'utilisation du panier du vide, eh ben, ça ne te permet pas d'utiliser ton sort d'exorciste. C'est logique, ça nous l'est dit même depuis le combat contre Satoru Gojo et Sukuna. Tout a une logique. Dans l'extension de territoire, l'utilisation du sort inversé, tout a une logique. Et l'évolution de Yuta et de Yuji allait contre cette logique. Mais bon, je pense que vous avez compris, on ne va pas rester plus longtemps dessus. Le chapitre commence finalement avec l'extension de territoire de Yuta, avec une explication qu'on avait plus ou moins comprise. Et le point intéressant de cette extension de territoire, très certainement la plus puissante de Jujutsu Kaisen, mis à part Satoru Gojo, c'est bien sûr le fait qu'il y a une condition. Il ne sait pas le pouvoir du sabre avant de l'avoir touché, et c'est bien en contrepartie de ce pouvoir énorme, surtout que le truc le plus cheaté du monde, même Sukuna le dit, mais pour vous ça va paraître normal, il choisit dans son extension de territoire qui est sensible au sort imparable ou pas, ce qui veut dire que Yuji peut se promener dans son territoire, chose qu'on n'avait jamais vue dans Jujutsu Kaisen et qu'un truc de ouf, qui montre une maîtrise de Yuta. Mais voilà, comme cette maîtrise-là n'est pas donnée à n'importe qui, moi je suis très content de l'avoir à ce niveau-là. En fait, à partir du moment où tout le monde n'est pas capable de le faire et que c'est juste l'attrait d'un seul personnage, eh ben vas-y, donne un petit peu ce genre de pouvoir exagéré au personnage. Mais Sukuna le souligne. C'est pas quelque chose de normal. Faut pas que tu te dises en tant que lecteur, waouh, ok, d'accord, c'est normal. Et Yuta a récupéré le pouvoir de pas mal de personnages, ce qui fait que ça rend la traque nécessaire au récit. Parce qu'en fait, sans la traque, j'ai trouvé longue. Trop de combats. Trop de personnages, c'était combat sur combat sur combat sur combat. Les règles de la traque finalement n'ont servi à rien. On voit qu'elle débouche sur rien. Finalement, à la fin, Kenjaku dit vas-y, Balek, je tue tout le monde et je donne les pouvoirs à Sukuna pour qu'il réveille ce démon machin chose. Mais là, tous les combats, Charles, les deux qui se sont battus contre ce cher Yuji, Elvis Presley et l'espèce de meuf, tous les personnages qu'on a rencontrés vont finalement se réunir à travers le personnage de Yuta et ses épées. Donc avec une habile utilisation finalement des sorts de chacun, il va pouvoir mettre plusieurs coups à Sukuna. Sukuna qui a l'air quand même en peine. Rika à tenir, qui est déjà juste en elle-même, tient tête à Sukuna. Les différents sorts qu'il va devoir analyser pour pouvoir les contrer. Et justement, c'est dit juste avant que Yuta utilise le sort de Sukuna, il va dire que là, tous ces sorts-là, Sukuna finalement s'adapte parce qu'il les connaît. Et en fait, Yuji cherchait juste un sort que Sukuna n'était pas capable de connaître et il tombe sur le sabre du sort de Sukuna copié. Je ne sais plus quelles sont les conditions pour que Yuta copie un sort d'un adversaire. Ce serait bien qu'il soit donné. Et finalement, il lui fait une dissection à la gueule. Et même ça, après, vous aurez beau dire ce que vous voulez, mais moi, je le pense honnêtement. Dissection, le sort de Sukuna, qui était le sort ultime du monde, qu'a coupé Satoru Gojo, aujourd'hui, c'est des griffes de chat. Que ce soit Yuji ou Yuta, j'ai pas compté, hein, mais dans ces trois derniers chapitres, Yuji, il s'en est mangé quatre. Tu te manges quatre dissections, ça te fait des griffures de chat. Que tu peux aujourd'hui tu te clines en 30 secondes avec ton sort inversé. C'est abusé, frérot. Si tu regardes, à l'époque même, quand Sukuna venait de rentrer dans le corps de Megumi, et il n'avait aucun contrôle, il n'avait pas fait le bain, il n'avait pas mangé les doigts qui restaient, il n'avait pas mangé son ancien cadavre. Il fait un dissection à Yuji. Yuji est en sang de ouf. Et Sukuna dit, bordel, comment est-ce que t'as survécu à ça? Normalement, un dissection, tu détruis des tours. Là, c'est des griffes de chat. Et même quand Yuta renvoie donc finalement un dissection dans la gueule de Sukuna, ça lui fait une griffe de chat. Donc, il y a toutes les explications de l'auteur logiques qui font que Sukuna puisse être au niveau de Yuji et Yuta, je ne le nie pas. Mais même malgré ça, l'auteur force un peu le trait pour enlever de sa superbe au personnage de Sukuna. Dernier point que je voulais aborder avec vous, bien sûr, c'est le cas de Yuji et de finalement ce qui va être, je pense, logiquement son sort. Même si pour beaucoup, c'était logique que le sort de Yuji soit lié aux âmes, puisqu'il a réussi à cogner Maito, etc. Il y a beaucoup qui l'ont dit, ah, c'est logique, c'est logique, c'est logique. Il n'y a jamais une page qui nous a montré que le sort de Yuji, c'était ça.
Certains l'ont compris ou pas, soit, mais c'est quand même pas clair. Ça n'a pas été dit clairement. Yuji, son sort, bah, c'est le cas pour tous les autres personnages, hein, mais pas pour Yuji. Donc là, Sukuna nous dit à travers lui que Yuji peut attaquer directement la barrière, comme par hasard, qui sépare Yuji de Sukuna de Megumi. Ce qui peut être potentiellement intéressant, c'est que pour expliquer encore mieux la défaite de Sukuna, on ait Megumi qui combatte Sukuna de l'intérieur. Ça serait terriblement intéressant à mes yeux. Ce serait terriblement rendre hommage dans ce dernier tour d'honneur aux trois personnages, aux trois héros de Jujutsu Kaisen, que sont Yuta, il est là, Yuji, il est là, et que Megumi participe un peu, et que dans l'œuvre, il ne soit pas juste le réceptacle de Sukuna. C'est ce que je trouverais le plus intéressant. Voilà, Yuji va avoir un rôle. Est-ce que Yuta va durer longtemps? Je ne le sais pas. En tout cas, il sera là la semaine prochaine et on aura très certainement un symbole entre lui et Erika, parce que la semaine prochaine, ça sera la Saint-Valentin. Voilà pour tout ce que j'avais à dire. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. C'est très important parce que c'est toujours hyper intéressant, même quand on n'est pas d'accord. Abonne-toi parce que je pense que ce genre d'analyse, t'en as pas toutes les 4 matins. Et kiffons ces derniers chapitres de Jujutsu Kaisen. Et posez-vous des questions, les gars. L'auteur nous décrit. Faut lire les chapitres une fois, deux fois, trois fois. Faut pas juste se faire hype par potentiellement le pouvoir de Yuta, c'est trop bien. Lisez le manga. Moi j'ai eu du temps, je comprenais rien, Jujutsu Kaisen. Intéressez-vous à chaque fois aux règles de l'auteur. Entre l'extension du territoire, les territoires simples, les sorts, le sort inversé, etc. Prenez au sérieux. Quand l'auteur vous dit que le sort inversé est quelque chose d'hyper rare, prenez au sérieux. Ça va vous apprendre à mieux apprécier la logique de l'auteur. Voilà. Très content de partager ça avec vous. C'est un chapitre excellent pour ça. Si vous saviez déjà tout, qu'est-ce que vous avez kiffé dans ce chapitre? Si pour vous, on peut, du jour au lendemain, maîtriser l'énergie occulte inversée, se soigner et affronter le roi des fléaux et que ça pose pas de problème parce que je suis un génie, qu'est-ce que vous avez apprécié dans le chapitre d'aujourd'hui? C'est ma question. Dites-le moi en commentaire. Allez, ciao.